Donc, dernier exercice, on me donne une expression algébrique grand E qui vaut moins 2x carré plus 3x moins 7 et on me demande de calculer sa valeur numérique précise pour la valeur x est égal à 2 tiers. Donc il s'agit de remplacer dans cette expression-là x à chaque fois par 2 tiers, mais moins 2 tiers, excusez-moi, au carré plus 3 fois. Ça vaut le coup de mettre les fois ici, c'est une source d'erreur souvent. Parce que autant dans l'expression 3 fois x, il n'y a pas de souci, on voit bien qu'il y a une multiplication. On s'aperçoit que souvent des élèves commettent des erreurs, après en ne se rappelant plus trop l'opération qu'il y a entre le 3 et le moins 2 tiers, ou entre le 2 et le carré de moins 2 tiers. Donc il est peut-être plus prudent de rajouter un petit signe multiplié, pour bien comprendre les opérations qui sont en jeu. Là j'ai posé mon problème, simplement j'ai remplacé x par la valeur moins 2 tiers. Et bien donc je vais opérer maintenant le carré de moins 2 tiers. Le carré d'un nombre, c'est un nombre multiplié par lui-même, donc c'est moins 2 tiers fois moins 2 tiers. Le signe, je peux le gérer, ça va devenir un nombre positif, donc ça revient à faire simplement le carré de 2 tiers. Et bien 2 tiers fois 2 tiers, on multiplie au numérateur et au dénominateur, 2 fois 2 en haut, 4, 3 fois 3 en bas, 9, plus. Ici, 3 fois moins 2 tiers, je multiplie un nombre positif par un nombre négatif, donc le produit va être négatif, je peux déjà mettre mon signe moins, et 3 fois moins 2 tiers, je peux simplifier, ça revient à dire 3 unième fois moins 2 tiers, en simplifiant par 3 numérateur et dénominateur, il reste 2. Il y a le moins 7 qui est derrière. Ici, bon, on va effectuer, moins 2 fois 4 neuvième, ça me fait donc moins 8 neuvième, et on peut simplifier moins 2 moins 7 en mettant moins 9. Ce dernier calcul est à terminer, on va tout mettre au même dénominateur, ce qui fait moins 8 neuvième moins 81 pardon, neuvième. Et donc au final, moins 8 moins 81, ça fait moins 89 neuvième. Je peux m'interroger à savoir est-ce que cette fraction-là est irréductible ou non. Sachant que je n'avais pas de machine. Une des questions à se poser au moins, c'est est-ce que c'est divisé par 9. 8 plus 9, 17. Ben, 17 n'est pas un multiple de 3 ni de 9. Donc, cette fraction-là semble bien irréductible. Elle est irréductible. Donc, c'est le dernier exercice du devoir. On me demande de calculer l'expression e est égal à moins 3x carré plus 4x moins 7 pour la valeur x est égal à moins 2 tiers. Donc, ici, là, je l'ai rajouté, mais ça vaut le coup de bien comprendre que c'est un multiplié qui est entre 3, le moins 3 et le x carré, le 4 et le x. Pour éviter toute confusion quand je vais remplacer x par moins 2 tiers. C'est donc égal à 3 fois, c'est là où ça vaut le coup de marquer le fois, le carré de moins 2 tiers plus 4 fois, c'est pareil là aussi, multiplié par moins 2 tiers, moins 7. C'est donc égal à moins 3 fois le carré de moins 2 tiers. Le carré d'un nombre toujours positif, donc on va plus gérer le signe moins, le carré de 2 tiers, ça fait le carré de 2 au numérateur 4 et le carré de 9 au dénominateur 9. Plus, ici un nombre positif se multiplie par un nombre négatif, donc le produit va être négatif. Il ne fallait pas marquer un plus, c'est moins. Et 4 fois 2, 8 tiers. Moins 7. Ici, je vais simplifier cette multiplication. Je ne vais pas faire le 4 fois 3 au numérateur, ce serait maladroit. Je remarque que 9 peut s'écrire 3 fois 3. Et donc je pourrais simplifier par 3 au numérateur et au dénominateur, puisque 3 est en facteur sur les deux côtés. Donc il va me rester moins 4 tiers, moins 8 tiers, moins 7. Moins 4 tiers, moins 8 tiers, ça fait moins 12 tiers, moins 7. Ce qui fait moins 4, moins 7, exactement égal à moins 11.